avec Kalash, Kalash Lafro et Alonso des Psy, c'est du tout cuit. Il n'y a aucune prise de risque. De tout ce que j'ai entendu d'eux, je ne les ai jamais entendus passer au travers. C'est des valeurs sûres pour moi dans le rap. Faudra nous passer sur le corps pour espérer qu'on lâche l'affaire. Pas encore assez sur le compte, chez nous y'a que ça qui gâche la fête. La prod m'a fait penser à eux, c'est une prod de Medellin. Je vais pas dire que c'est une prod gay dans le sens joyeux. C'est une prod qui a la pêche, voilà, qui te donne de l'énergie, qui te met de bonne humeur le matin quand tu te lèves. Et j'ai pensé à eux parce que c'est des mecs que je trouve énergiques dans leur façon de poser, dans leur façon d'écrire. Ils ont un flow tendu. Il n'y a même pas de thème dans le morceau, on s'obstine, c'est dans tous les sens du terme qu'on peut le prendre. Voilà, le thème c'est on s'obstine, on lâche pas l'affaire, donc voilà. Ça rappelle un peu les parcours de chacun et tout. Aujourd'hui, SAT remonte une société indépendante pour sortir ses projets. Ça collait bien au délire, donc voilà. Donc voilà, c'est le genre de morceau dont je suis content. Je savais que je prenais peu de risques dessus, et puis quand j'ai entendu les gars passer derrière le micro, ben voilà, ils ont conforté ce que je pensais d'eux.